Le samedi 4 novembre 2017, Colicado et Colipéi organisaient la soirée challengecolicado.com. C'est au Coco Beach, plage de l'Ermitage, que de nombreuses personnalités invitées étaient rassemblées autour du staff de cette entreprise. Donc alors ce soir, notre événement va se dérouler tout d'abord par un défilé par Miss Agency, donc à peu près 30 minutes. Puis par la suite, on va remercier donc tous nos revendeurs, tous nos points de vente de Colicado. Donc après cela, on va faire une remise de prix, c'est-à-dire qu'on va remercier notre meilleur vendeur avec un bid avion et une chambre d'hôtel offerte. Ensuite, on va remercier notre patron d'être fidèle à nos partenaires, nos fournisseurs, les remercier de cette fidélité depuis 25 ans. Et pour finir, la présentation de notre nouveau coffret, le petit carré Prestige. On a trois challenges. Le premier, donc c'est sur l'année N-1, donc la meilleure progression. Ensuite, on aura sur la meilleure progression sur 12 kilos, le colicado que nous voyons juste derrière. Et aussi pour finir, donc le meilleur point de vente sur l'année. On a un nouveau produit qui vient de sortir pour cette fin d'année, donc tout ce qui est cadeau protocolaire. Donc on a 6 nouveaux petits carrés, donc assez raffinés, le meilleur de la Réunion dedans comme d'habitude. Comme une fleur créole qui pousse sans qu'on la cajole, je plonge mes racines dans ma terre, elle nourrit mon caractère. Depuis 27 ans que ce formidable concept existe, qui nous permet de pouvoir expédier chaque année plus de 100 000 colis pays. Et grâce à la générosité des Réunionnais, faire plaisir à plus de 100 000 familles en métropole qui chaque année attendent avec impatience le fameux Letchi de la Réunion. On n'a absolument concurrencé personne puisque l'activité Colipéi a créé véritablement un pan d'activité qui n'existait pas. La poste existe toujours, elle existera toujours, Dieu merci. Nous avons simplement simplifié la possibilité d'expédier un colis. Avant, une personne qui devait expédier un colis devait aller au marché, acheter ses fruits, ensuite trouver un carton, l'emballer, faire la queue à la poste et espérer que ça arrive en temps et en heure. On a simplement simplifié tout cela en permettant aux gens, au travers d'un coup de téléphone ou d'un clic, de pouvoir passer un ordre de commande et nous, simplement et rapidement, confectionner le colis, l'expédier sous 48 heures en métropole. Ça n'a pas été un problème de finance au départ, parce qu'on avait les moyens financiers. Ça a été un problème de capacité aérienne. Les avions étaient d'ancienne génération, avec très peu de capacité aérienne. Donc on avait plus de commandes et plus de colis que ce que ne pouvait transporter l'avion. Et à l'époque, il y a même des compagnies aériennes qui ont joué le jeu en faisant des escales pour pouvoir transporter l'intégralité des cadeaux de nos amis réunionnais. Il y a 25 ans, la Réunion, il y avait 400 000 personnes. Aujourd'hui, on va friser le million. Donc, la croissance de Colipéi est à l'image de la croissance de la population réunionnaise. On a commencé avec 10 000 colis, on est à 100 000 colis et on prévoit 150 000, 200 000 colis sur les 5 à 10 années à venir. On n'a fait que le plus simple et aujourd'hui on se développe sur la zone avec notre gamme et ces nouveaux coffrets Prestige que nous avons développés à destination des entreprises, des comités d'entreprise, à destination des duty-free des aéroports, à destination des touristes et nous avons effectivement toute cette gamme qui va créer une véritable croissance pour Colipéi. On a réussi à trouver des Letchi, donc cette année il y aura des Letchi que chez Colipéi.